Donc je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Merci de vous intéresser à notre gestion. Nous serons quatre intervenants de Finaltis aujourd'hui. Bruno Bernstein, directeur général, directeur de la gestion action chez Finaltis, action discrétionnaire, et gérant senior de Finaltis Titan. Afid Lalouche, qui est gérant analyste spécialiste des valeurs digitales et qui travaille avec Bruno sur le fonds Finaltis Digital Leader. Xavier Lagaé, qui va nous rejoindre sous peu, qui est directeur de la fiduciaire Finaltis et que beaucoup d'entre vous connaissent. Et moi-même, Denis Baudouin, qui ai le grand plaisir de vous accueillir au nom de toute l'équipe Finaltis aujourd'hui. Je vous propose qu'on commence dès à présent cette présentation qui s'appelle de façon extrêmement originale la gestion patrimoniale en action. Comme le mois passé, il n'y a pas de raison qu'on ait changé d'un mois sur l'autre. Ce qui a changé dans cette présentation, ce n'est ni cette première page ni la seconde qui est l'avertissement traditionnel, c'est le corps du document, ce qui nous importe tous. Donc je propose que. Voilà. Donc, évacuons tout de suite un sujet pour lequel nous avons eu énormément de questions au cours du mois, et c'est normal, il y a eu beaucoup de volatilité sur les marchés, il y a eu beaucoup de dispersion de comportement, non seulement au sein des marchés, mais au sein des fonds. Les deux fonds dont nous traitons aujourd'hui sont Finaltis Titan, Finaltis Digital Leader. Où en sont ces deux fonds à hier soir? Ce sont les performances de leur part I. Les fonds ont connu une trajectoire depuis notre dernière conférence il y a un mois qui ont pour qualifié de bonne puisque on est en voie de redressement très net sur Finaltis Titan. Comme vous le voyez, on est aujourd'hui depuis le début de l'année à moins 7, un peu moins 7,5% environ, 7,6% précisément depuis le début de l'année, après une année 2019 à plus 17, à plus 19,7%, pardon, le rebond est extrêmement conséquent puisque depuis le point bas qui était la fin de la troisième semaine de mars, eh bien, le fonds a repris plus de 29%. Le fonds Finaltis Digital Leader, lui, a connu un rebond encore plus important, ce qui lui permet d'afficher une performance depuis le début de l'année positive, nettement positive, de plus 7,4%. Voilà. Donc on reviendra, si vous le souhaitez, sur ces performances. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à une vue générale de quelques sujets qui nous semble intéressant à traiter. Donc quelques points géopolitiques. Je vous propose d'en traiter deux rapidement. Les relations États-Unis-Chine. Et on aurait pu titrer en fait les relations chinoises avec beaucoup d'autres pays, mais on a mis l'accent sur les relations sino-américaines. On a tous été les témoins à travers des tweets et des articles, des interventions de divers dirigeants de joutes verbales. Alors, est-ce que ces joutes verbales sont des déflexions pour cacher ou tenter de détourner l'attention d'un traitement de la crise du Covid qui, de part et d'autre, n'est pas nécessairement très reluisante, quoi qu'on en dise, ou est-ce qu'on est dans cette ère que certains évoquent de conflits larvés et parfois ouverts entre deux grandes puissances qui s'affrontent de plus en plus directement. Un petit point quand même, sans vouloir m'étendre plus particulièrement, les déclarations chinoises des dernières semaines sont agressives, très agressives. On s'en fait très peu le relais ici en Europe, mais beaucoup plus en Asie. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'en Europe, on ne s'intéresse pas à ces sujets-là, mais la Chine n'est pas seulement agressive dans ses déclarations à l'endroit des États-Unis, elle est également agressive sur le terrain. Auprès d'autres pays et j'ai vu ce matin dans The Economist, l'édition d'aujourd'hui, qui se faisait l'écho d'escarmouches très violentes à la frontière sino-indienne.
dans le Ladakh, avec une intensité des escarmouches qui est tout à fait inhabituelle. Si on ajoute à ça un certain nombre de déclarations des dirigeants chinois sur Hong Kong, des déclarations internes auprès des chefs d'état-major de l'armée chinoise, Xi incitant l'état-major chinois à se préparer au conflit armé, littéralement. C'est une déclaration qu'il a faite mardi dernier, il y a 2 jours. On se dit que, véritablement, Xi Jinping a bien retenu les leçons de l'histoire et qu'il fait sienne clairement cette citation très connue de Winston Churchill qui est qu'il ne faut jamais gâcher l'opportunité d'une bonne crise, en l'occurrence pour avancer ses pions. Donc là, on est dans un contexte géopolitique qui est particulièrement tendu et se tend de plus en plus. En Europe, on est tous plus informés du fait que il y a des tensions et le plan annoncé hier par le président de la Commission, Ursula von der Leyen, de 750 milliards supplémentaires pour traiter la crise, les effets, l'impact économique de la crise du Covid, n'est pas unanimement accepté. On est tous maintenant familiers de l'expression un peu péjoratif du club des frugaux, avec notamment les 4 dirigeants, nous avons mis la photo sur droite, en bas à droite, qui ne sont pas totalement d'accord avec ce qui est envisagé par le tandem classique germano-français ou franco-germanique, comme vous voulez, mais qui est un tandem original en l'espèce, parce que on ne peut pas s'empêcher de noter que habituellement les Allemands sont toujours plus réticents qu'ils ne le sont cette fois-ci à délier les cordons de la bourse, parce qu'ils savent qu'à terme c'est peut-être leur bourse, et essentiellement leur bourse, qu'il faudra délier. Ça me permet venir au sujet qui est aujourd'hui le sujet qui reste central pour les marchés financiers et qui explique l'essentiel du mouvement global des marchés. On parlera après des mouvements spécifiques au titre, mais les marchés ont aujourd'hui encore et toujours, comme le mois dernier, une obsession majeure, ne voient pas nécessairement les points qu'on évoquait précédemment, sauf si ceux-ci ont trait et se rapportent à la crise sanitaire et au traitement et à la résorption possible et aux modalités de cette résorption de la crise sanitaire du Covid. Il y a quand même une question qui est essentielle, c'est que tous ces plans visant à traiter les effets économiques et financiers de la crise de Covid, il faudra bien un jour les payer. On vous a proposé 4 façons, je ne m'étendrai pas dessus sur chacune d'entre elles, ce n'est pas l'objet de notre présentation aujourd'hui, mais on suggère 4 façons de traiter ce coût absolument faramineux du traitement et de l'impact économique de la crise du Covid. Il y a des modes originaux à envisager. Il y a les fruits de l'histoire à tirer, notamment pour ce qui concerne les hausses d'impôts, c'est ce que certains pays, dont la France, ont choisi de mettre en œuvre lors de la crise, la dernière grande crise financière de 2008, avec des résultats qu'on peut qualifier à minima de mitigés. La croissance forte, c'est un vœu pieux, il y a des moyens d'essayer de l'atteindre, mais on n'est jamais certain de l'obtenir. L'annulation de la dette, en l'occurrence, c'est radical, mais le pouvoir sera certainement à l'imagination. Et l'imagination, on en a fait montre dans les mesures qui ont été prises pour la partie sanitaire et la partie sociale du traitement du Covid. On verra si on en fera également usage pour la partie financière. On peut passer à la... Voilà. Donc ce transparent est identique, inchangé par rapport à la présentation du mois dernier. Nous ne voyons pas à ce jour de raison de modifier notre macro-analyse de fléchage de l'épargne. Nous continuons à considérer que l'environnement est un environnement qui est de nature à provoquer une dévalorisation des monnaies fiduciaires et qui, d'une manière générale, présente une mauvaise rémunération des actifs sans risque et des actifs notamment monétaires.
donc une incitation à détenir des titres de propriété en étant particulièrement sélectif. Bon. On a tenu ce discours le mois dernier, je ne vais pas m'étendre plus avant sur celui-ci. Je vous propose de revenir à cette notion qu'on vous propose et de passer la parole à Bruno pour nous expliquer cette lecture que nous faisons d'un marché coupé en deux, chameau dromadaire. Merci Denis. Effectivement, on a mis un virus un peu effrayant qui occupe toute la page et deux petits animaux beaucoup plus sympathiques, sauf que en ce qui nous concerne, le plus sympathique, ce sera bien sûr le dromadaire, puisque le chameau, en fait, illustrerait une crise sanitaire qui viendrait à repartir en septembre, ou en tout cas, je dirais, des vagues de reconfinement. C'est bien sûr pas Finaltis de choisir entre ces deux scénarios, mais au moins comprendre quelles sont les forces en présence, qu'il n'y a pas de consensus et que ces deux scénarios peuvent effectivement se matérialiser. Alors, je commencerai par le professeur Didier Raoult. Hein. Je pense que c'est l'homme qui passe le plus à la télé en France depuis un mois. C'est très apaisant hein, d'écouter ce que dit ce professeur, puisque en gros, il nous dit l'épidémie est finie. Il faut savoir, alors il n'est pas le seul à dire ça, hein, bien heureusement. Il faut savoir qu'en face de lui, il a notamment Christian Drosten. Hein, on n'a pas fait l'inventaire de tous les scientifiques qui s'expriment sur le Covid. Pourquoi Christian Drosten? Ce professeur a une certaine légitimité. D'abord parce qu'il est chef du service de virologie du plus gros hôpital de Berlin. Il est co-découvreur de l'ADN du virus du SRAS et de la séquencer en 2003. Et puis, il a l'oreille des hautes autorités allemandes. Et le peuple allemand met à son crédit, pour l'essentiel, la très bonne réussite allemande dans la gestion de l'épidémie. Et pour Christian Drosten, on va avoir une reprise de cette épidémie en septembre. Donc, nous, on doit vivre en fait dans ce marché qui est, comme le disait Denis, cassé, brisé en deux, avec d'un côté ce qu'on appelle les valeurs chameaux, c'est-à-dire des valeurs qui vont bien résister et qui ont bien résisté dans un scénario où on vivrait avec le Covid pendant de nombreux mois, pour ne pas dire de nombreuses années. Ces secteurs, vous les connaissez, hein, il s'agit de la santé et de la technologie. Alors, ce qu'on représente sur la gauche de la slide, en fait, c'est le profil boursier de ces valeurs, hein, tout simplement. C'est des valeurs qui ont baissé beaucoup, hein, comme le reste du marché, à partir de février jusqu'en mars, mais qui, pour l'essentiel, ont retrouvé leur point haut, voire, alors là, on parle de la technologie, pour avoir une approche homogène, on a pris les secteurs européens. Mais si on parle de la technologie aux US, hein, le vrai marché de la technologie, c'est les US, on est avec un Nasdaq, vous le savez, qui se balade entre plus 4 et plus 5, donc qui est au-dessus des cours, qui a plutôt profité, on va dire, de cette crise sanitaire et pour la santé. Donc, on est sur ce secteur en baisse de 0,5% depuis le début de l'année. Au pire de la crise, le secteur de la santé en Europe a baissé 19% et il a rebondi de 24% sur ses plus bas, ce qui explique qu'on soit à peu près flat sur l'année. Alors, pourquoi casser en deux? Parce que face à ces secteurs qui ont très bien résisté à cette crise sanitaire, qui pour certains profitaient hein, clairement du fait que les gens restaient chez eux. On a les valeurs dromadaires. Alors c'est les valeurs, elles, qui profiteront d'une crise sanitaire à une seule bosse et du scénario Raoult, hein, on va dire, d'évaporation de cette pandémie.
Alors là, c'est beaucoup plus sérieux en termes de destruction de valeur, puisque vous voyez qu'on a pu atteindre sur le secteur comme l'énergie, comme les banques, des baisses de plus de 40%, et que ce ne sont pas les rebonds de 30, 20, 11, 16% dans ces différentes poches qui permettent bien entendu de compenser le drawdown. Donc c'est des secteurs qui ont fortement baissé entre février et mars, qui ont rebondi légèrement ensuite, qui parfois, pour certains, sont venus rechercher leur plus bas ou qui ont consolidé horizontalement. Alors, je m'empresse de dire que depuis 3 jours, vous assistez comme nous à une rotation sectorielle qui est incroyablement puissante, hein, la plus puissante quasiment auquel on assiste depuis 15 ans. Est-ce qu'elle sera durable? On peut pas, on se prononcera pas là-dessus. En tout cas, la violence de cette rotation montre à quel point ce marché est cassé en deux et rend la navigation pour les gérants particulièrement complexe. Donc, un petit mot sur Titan. Bon, vous connaissez tous assez bien le fonds. J'insiste quand même dans ces périodes de grande tension sur le fait qu'on travaille une classe d'actifs qui est assez particulière. Je pense qu'on est les seuls à revendiquer, seuls gérants actions à revendiquer ce positionnement 100% investment grade. C'est quoi la classe d'actifs equity investment grade? C'est de travailler sur des actions, bien sûr. Il n'y a pas une obligation sur le fonds Finatis Titan, mais sur des actions qui, quand elles émettent sur les marchés, émettent dans la catégorie investment grade. Et non content d'être 100% investment grade, on tient à être dans les meilleures notes de l'investment grade. Donc, dans la poche investment grade, les émetteurs sur lesquels travaille Finatis Titan sont des entreprises qui émettent plutôt A, qui est la majorité du portefeuille, double A, on a même des triple A, on a quelques triple B, qui est la moins bonne note de l'investment grade, et on a quelques valeurs qui sont non rétées. Et pourquoi elles sont non rétées? Pas parce que leur risque de crédit est trop fort, mais tout simplement parce que c'est des valeurs qui n'ont pas besoin de faire appel au marché obligataire. On en reparlera avec Beiersdorf, qu'on va voir un peu plus loin. Alors, dans les trois piliers de création de valeur sur Finatis Titan, il y a bien sûr le premier pilier qui est la flexibilité. Donc, Finatis Titan est un fonds flexible en action, parce que son prospectus l'autorise d'aller de 45 à 100% d'exposition action. Encore faut-il utiliser cette marge de manœuvre. Donc, vous pouvez voir, là, c'est un graphe qui reprend l'exposition aux actions du fonds depuis janvier 2019. Donc, on avait, vous vous rappelez que fin 2018, le marché avait fortement baissé. On avait pris une exposition très forte à ce moment-là. Et voilà, je ne vais pas vous décrire chacun de ces éléments que j'ai en tête, bien sûr, parce que c'est toujours des moments assez marquants de la vie du fonds quand on change les expositions très, très, très fortement. Mais vous pouvez voir que sur la dernière phase, on a atteint autour du 23-24 mars une exposition de 100% sur les marchés et qu'on a démarré cette phase de baisse avec plutôt une exposition basse. On était début dans la dernière semaine de février à 62 ou 63% d'exposition sur Titan. Le deuxième pilier de création de valeur, c'est les puts, hein, qui ont été très utiles pour sécuriser je dirais la performance et l'investissement en actions. Alors, on pense souvent aux puts comme une manière d'amortir la baisse. Bien sûr, ça amortit la baisse, mais c'est aussi les puts qui vous permettent d'avoir une exposition très forte dans des moments très stressés. Warren Buffett nous l'a appris, hein, il faut être courageux quand tout le monde a peur. C'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. C'est plus facile à faire quand vous savez que vous avez un stock d'options qui peut vous aider énormément si bah, le 23 mars, le marché, plutôt que de rebondir, il décide d'aller 10, 15, 20% plus bas. Alors, ce qu'on a recherché dans cette phase de marché un peu particulière, c'est de la convexité, qui est un mot compliqué pour dire quelque chose de très simple, c'est qu'on cherche à aller sur des sociétés qui avaient, à notre avis, accumulé tellement de noirceur dans leur cours, qui étaient tellement détestés par les investisseurs, qu'en fait, si l'épidémie prenait encore de l'ampleur,
leur potentiel de baisse était assez faible. En revanche, si on avait une accalmie ou un déconfinement qui se passait bien, c'est des sociétés qui allaient galoper très très vite. Donc c'est ce qui s'est passé en l'occurrence ces derniers jours sur un certain nombre de sociétés. Alors, on va même, vous voyez à quel point on est aventuré, on va même jusqu'à acheter des banques parfois, hein, c'est pas nos meilleurs amis, les banques, mais on considère ce qui dirige notre réflexion, en fait, c'est qu'un actif sans risque, c'est un actif qui cristallise le risque. Et à un certain niveau de cristallisation du risque dans le titre, on considère que finalement, un actif risqué ne l'est plus vraiment. Voilà. Et donc, on constate que sur les trois derniers jours, bah, les nouvelles défensives du marché, ça s'appelle BNP, Safran, AXA, et que c'est les sociétés qui ont alimenté la hausse depuis un mois et demi qui souffrent beaucoup plus. Donc voilà, c'est ce qui fait la beauté des marchés, c'est que ça bouge. Donc là, toujours ces trois chiffres, donc un titre comme BNP Paribas est en baisse de 36% en year to date, a subi une baisse maximale de 52% et a rebondi de 33%. Donc, il est très important de comprendre qu'on peut aller sur des titres qui sont en désamour, à condition et qui sont très, très tendu vers le bas en valo, l'élastique est très tendu, mais il peut casser aussi. Hein. Donc mon conseil, c'est surtout pas d'aller de considérer que plus un titre a baissé, plus il a de potentiel. On est dans une crise incroyablement grave, il y aura de nombreuses faillites. Donc nous, on est prêt à avoir une main solide sur un certain nombre de titres qu'on considère systémiques, qui ont une importance stratégique pour un retour à meilleure fortune de notre économie, mais on n'est pas prêt à faire ça sur, et on est très très sélectif dans cette approche. Et il faut être très prudent parce que on parle de titres qui ont beaucoup de bêta et sur lesquels il n'était pas évident de naviguer. Donc voilà, sur ces titres-là, les 8 que vous avez sous vos yeux, on a, pour illustrer notre propos, créé un panier équipondéré. C'est bien sûr, il n'y a pas 8 titres dans Philatis Titan, hein, il y en a 45 aujourd'hui, mais c'est un thème qui est assez bien représenté dans le fond. Et on a confronté ce panier au CAC 40. Donc pour ceux qui étaient à notre webinaire du mois dernier, on avait déjà fait ce petit graphe, donc ces 8 titres équipondérés contre le CAC 40. Vous voyez que non seulement le CAC 40 est un indice qui a sous-performé à peu près tous les indices européens depuis le début de l'année, mais ces titres ont réussi la performance de sous-performer encore très largement le CAC 40. À l'exception des Silor Luxottica qui commence à matérialiser un assez bon rebond, tous ces titres, et le rebond de ces quelques derniers jours n'y changera rien, on peut dire qu'ils sont encore complètement dans le trou et qu'ils sont très très bien comportés ces derniers jours. Ce que je voulais voir avec vous également aujourd'hui, c'est les mouvements qu'on avait fait sur le mois de mai. Donc, Philatis Titan est un fonds assez actif. Quand on vend un titre, c'est pas qu'on n'y croit plus, c'est tout simplement qu'on pense qu'il a pris un peu trop de valeur, un peu trop de multiples, et qu'on considère plus être totalement en sécurité sur ces niveaux de multiples. C'était le cas de Walt Disney, hein, qui est un titre qui a fortement contribué à la performance du portefeuille, qui a fait un très bon lancement de Disney+, hein, qui est un concurrent de Netflix, qui a capté quasiment une cinquantaine de millions de clients en assez peu de temps. Diageo est un titre remarquable, avec une exécution encore bien meilleure que celle de Pernod Ricard au point de format aux États-Unis. Mais là, on parle de titres qui valent plus cher en mai 2019 qu'en février 2019. Donc, le PER que je vous indique, c'est un PER forward 2021. Donc, c'est combien de fois je paye les résultats 2021 de Walt Disney en février. Pour m'acheter du Walt Disney, je paye 23 fois les résultats. En mai 2020, il y a une petite erreur sur la style. En mai 2020, je paye 32 fois les résultats. Même chose pour Diageo. En revanche, on s'est repositionné sur Bayersdorf, qui est un titre, je dirais, un peu moins fantastique
que L'Oréal, mais qui est moins cher, nettement moins cher. On a quasiment 8 points de PE. C'est un titre beaucoup plus petit. Hein. On est quasiment sur 30 milliards de market cap, alors que L'Oréal tangente les 150 milliards. C'est un titre qui est moins orienté vers le luxe, mais qui a une très belle gamme de produits, qui va du pot de crème Nivea à quelques euros jusqu'à la crème La Prairie au caviar à 700 euros. Voilà, donc tout le monde trouve son bonheur chez Beiersdorf. Et surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que pendant des années, il y a eu beaucoup de critiques sur Beiersdorf, sur le fait qu'il y avait trop de trésorerie dans la société. Vous imaginez que les investisseurs vont se montrer beaucoup plus indulgents, voire intéressés par le fait qu'il y a 6 années de résultats aujourd'hui en trésorerie. Beiersdorf, c'est une société qui gagne environ 800 millions, qui fait environ 800 millions de résultats par an et qui a 4,7 milliards de cash à son bilan. Donc, qui n'émet jamais sur le marché obligataire puisqu'ils ont trop de cash. Un petit mot sur Medtronic aussi, qui est un magnifique dossier américain, leader mondial des pacemakers, des stimulateurs gastriques et neuronaux. C'est un titre qui a souffert. Pourquoi? Parce que les hôpitaux étaient tellement occupés à soigner les malades du Covid que tout ce qui a pu être reporté en termes d'opérations impliquant des produits Medtronic a été reporté, et donc on a un décalage de chiffre d'affaires très important sur Medtronic, mais il n'y a aucune raison de ne pas retrouver que ces malades qui n'ont pas pu se faire opérer ne reviennent pas quelques mois plus tard, et on n'est pas du tout inquiet sur le fait que Medtronic va retrouver son rythme de croissance habituel. Alors, Intercontinental est des deux côtés, c'est pas un bug, hein, c'est la vie du fond, c'est-à-dire que Intercontinental est un dossier très volatile, leader mondial de l'hôtellerie. Vous imaginez que c'est un dossier qui est un peu sous pression en ce moment. C'est un titre qu'on travaille beaucoup à l'achat, à la vente. On le connaît bien et c'est aujourd'hui une contribution positive depuis le début de l'année, alors que le titre est en baisse de 23% depuis le début de l'année. Voilà, c'est le travail qu'on essaie de faire, transformer des titres qui sous-performent en valeur absolue et les travailler suffisamment pour qu'au final, ça fasse de l'argent pour nos investisseurs. Donc, le top 10 du fonds, vous le voyez, je ne vous détaille pas tout. Je vous ai mis quand même la performance year-to-date de chacun de ces titres. Vous pouvez imaginer que si on avait été investi sur ces titres, en buy and hold, comme on dit en bon français, depuis le début de l'année, la performance du fonds ne serait pas à moins 7% ou moins 6,80, là, si je vous donne en live, elle serait beaucoup plus basse. Donc, en fait, pour arriver à être sur des axes comme cela, sans transmettre la souffrance de la baisse à nos porteurs, ça suppose pas mal de rotation. On a tourné 4,8 fois l'encours du fonds depuis le 1er janvier. On a le taux d'exposition aux actions, on en a parlé, je ne reviens pas dessus. Donc les trois thèmes les plus représentés dans le fonds, c'est les sociétés systémiques. On a parlé des sociétés systémiques françaises, mais bien sûr, Bank of America ou Boeing sont exactement dans cette même thématique de sociétés, c'est vrai, difficiles, mais qui nous paraissent stratégiques et sur lesquelles on a aucun doute sur le fait qu'elles arriveront à enjamber cette crise du coronavirus. On a un autre thème qu'on aime bien qui sont les boissons. L'alimentaire s'est bien tenu, le food. En revanche, tout ce qui est boisson, vous imaginez que c'est un petit rapport avec le fait que les bars et les restaurants soient fermés. C'est des titres qui sont très très durs. On a gagné pas mal d'argent sur Pepsi, qu'on a revendu. En revanche, Coca, Pernod, Heineken et AB InBev restent difficiles. Et l'équipement médical, on en a parlé, ces décalages dans les opérations, dans la marche classique des hôpitaux, qui font que Medtronic, Becton Dickinson, on pourrait citer aussi Stryker, sont des titres magnifiques avec des croissances très régulières, des titans par excellence, mais qui ont souffert de cette période tout à fait particulière. Donc si on prend une photo du fonds aujourd'hui, on a 76% du fonds qui est investi en actions. On a racheté pas mal de puts ce matin, donc on est plus proche des 4%
de puts valorisant delta sur des options qui se répartissent entre les S&P 500 et Eurostock 50, ce qui nous donne une exposition à actions au moment où on parle autour de 72%. Voilà essentiellement les choses que je voulais vous dire sur Titan. Denis, je ne sais pas si au travers du chat, il y a des questions qui te sont remontées. Non, pas pour le moment, pas pour le moment. Passons à Finaltis Digital Leader et puis on prendra un peu plus de temps à la fin peut-être. Bonjour tout le monde. Donc pour terminer la présentation sur notre deuxième franchise action qui est Finaltis Digital Leader. Donc c'est un fonds thématique 100% investi dans le thème de la digitalisation d'économie. Et vous l'aurez remarqué, c'est un thème qui a quand même le vent en poupe en ce moment. Pour commencer, une petite citation du PDG de Microsoft. Donc Microsoft qui est un des géants du digital et qui a quand même une ampleur qui permet de voir les choses d'un point de vue macro. Il dit, nous avons vu en 2 ans, on a vu 2 ans de transformation digitale en l'espace de seulement 2 mois. Donc les 2 mois qui correspondent au confinement qu'on a tous vécu. Alors pourquoi 2 ans de transformation digitale? Tout simplement parce que les entreprises aujourd'hui, en tout cas toute entreprise qui souhaite survivre dans ce monde qui se digitalise, doit avoir une stratégie digitale en place. Aujourd'hui, ces stratégies sont accélérées, ont dû être accélérées avec le confinement généralisé qui a imposé le télétravail dans les cas possibles, l'utilisation massive d'Internet et des outils de collaboration pour poursuivre l'activité, et par exemple également la télémédecine et d'autres pratiques nouvelles digitales. Pour illustrer ces 2 mois de digitalisation accélérée, on vous met un petit graphique. Donc c'est le pourcentage de pénétration du e-commerce dans le commerce de détail aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'est le second marché au niveau mondial de e-commerce, et c'est aussi celui qui nous donne des statistiques assez fines et précises sur la pénétration du e-commerce avec une définition assez stricte. Donc dans le cas du e-commerce, ce n'est pas 2 ans de digitalisation qu'on a vu en l'espace de 2 mois, c'est 10 ans. Donc là où le marché, là où les acteurs du e-commerce représentaient environ 17% du commerce de détail aux États-Unis l'année dernière, on est passé aujourd'hui à un chiffre autour de 27%. Alors que cette pénétration augmentait en moyenne d'un point sur la décennie qui s'est écoulée. Donc c'est un changement assez brutal, massif, qui s'est traduit par naturellement une surperformance boursière des valeurs du secteur et notamment Amazon. Donc là, vous avez un deuxième graphique qui montre l'intérêt exprimé en nombre de recherches Google au niveau global sur 2 termes. Alors les 2 termes, c'est Amazon et Netflix. Amazon, qui est le plus gros acteur du e-commerce, bien entendu, et Netflix, qui est l'acteur le plus connu et le plus recherché, en tout cas sur Google, dans tout ce qui est divertissement en ligne. Donc le divertissement a bien entendu bénéficié également du confinement généralisé, mais nous, on pense, dans Digital Leaders, qu'il faut rester malgré tout sélectif dans le choix des valeurs, et dans l'allocation sur ces thématiques, puisque dans le cas du e-commerce, on a un effet cliqué. Donc la pénétration a certes massivement augmenté, mais elle a surtout augmenté et va rester probablement à des niveaux élevés. Tandis que dans le cas du divertissement, on a le même point d'inflexion mi-mars où l'usage a explosé. Vous le voyez avec les recherches Netflix. En revanche, ça a tendance à se normaliser avec le temps au fur et à mesure que les économies se s'ouvrent et que les gens soient déconfinés et puissent consommer d'autres types de divertissement. Donc, selon nous, on préfère rester sur des valeurs où il y a cet effet cliqué parmi les valeurs chameaux, mais on reste en tout cas plus méfiant sur les valeurs qui ont énormément monté car elles ont bénéficié d'un effet plutôt one-off sur le résultat.
Pour terminer sur Finatis Digital Leaders, pour ceux qui étaient présents lors de la réunion du mois précédent, on vous avait présenté deux paniers de valeurs. Alors, il y avait le panier Stay at Home qui est en plein dans ce parallèle qui est fait avec les chameaux. Donc, c'est vraiment un panier de valeurs chameaux. Et vous le voyez d'ailleurs dans le graphique. Le panier Sell at Home est revenu à des niveaux, non seulement est revenu au niveau au plus haut historique, mais les a aujourd'hui largement dépassés. On vous avait présenté un deuxième panier, c'était le panier GARP, Growth at Reasonable Price. C'est un ensemble de valeurs du digital qu'on estime solides, qu'on estime qu'elles survivront même à une éventuelle seconde vague. Parce qu'elles ont du cash au bilan, parce qu'elles génèrent des flux de trésorerie assez importants et qu'elles ont un business model résilient et récurrent et qui également se traitent à des niveaux de valorisation qui nous semblent assez corrects et qui restent assez décotés. Donc là, vous voyez que ces valeurs-là ne sont pas revenues, ils sont encore loin de leur plus haut malgré tout. Donc, selon nous, même dans le segment du digital qui a une forte dominante chameau, il reste des valeurs sur lesquelles, des valeurs qu'on considère contrariantes, sur lesquelles on pense qu'il reste beaucoup de potentiel compte tenu de leur valorisation rapportée à leur croissance attendue. Donc sur ce, je laisse la parole à oui. Denis pour boucler, éventuellement prendre vos questions. Merci Afid. On a eu quelques questions, effectivement. Je vous propose qu'on les traite ensemble. Alors, il y a trois familles de questions. Il y a un premier type de questions qui sont des questions très ciblées sur des titres. On a une question notamment qui s'adresse plus particulièrement à Bruno sur Finaltis Titan et qui traite de Berkshire Hathaway. On aimerait savoir quelle a été l'évolution de la position sur Berkshire Hathaway au cours du mois dans Finaltis Titan et les drivers de cette évolution. Bruno, si tu veux bien en parler. Bien. Merci Denis. Donc Berkshire Hathaway, c'est un titre qui est dans une période de désamour, clairement. Il a accumulé une sous-performance vis-à-vis du S&P qui est assez impressionnante. On a eu quasiment 18 ans de surperformance, hein, plus de 300% de surperformance depuis les années 2000. Et puis là, de 2 ans d'assez forte sous-performance, c'est dû à deux choses. Avant le Covid, c'était dû au fait, c'est un peu le même reproche que sur Beiersdorf, hein, c'est-à-dire que les investisseurs en veulent beaucoup à Warren Buffett d'oser garder 130 milliards de cash sur son bilan. Là aussi, et comme Beiersdorf, je pense que cette critique, elle est un tout petit peu moins d'actualité aujourd'hui. L'autre point, c'est que bien sûr, Berkshire Hathaway est un titre qui est plutôt orienté sur le segment cyclique, value. Il y a des très belles valeurs de croissance hein, dans Berkshire Hathaway. Hein. On pense à Apple ou Coca ou Costco. Mais c'est le segment value hein, et notamment les banques ont beaucoup pénalisé Berkshire Hathaway dans cette période de crise. Donc l'idée d'avoir du Berkshire Hathaway, en fait, c'est comme rouler sur l'autoroute à 120 km/h dans une voiture très confortable versus rouler à 180 en prenant de très grands risques. Voilà, je ne pense pas que Berkshire Hathaway est forcément le véhicule idéal pour surperformer sur les 10 prochaines années le S&P 500. Je vous rappelle que le S&P 500 est un indice qui est complètement transformé par le GAFA. Mais
au niveau de décote qu'on a aujourd'hui sur certains titres du portefeuille, je pense notamment aux banques, hein, puisque les airlines chez Warren Buffett, c'est très très faible. Hein, aujourd'hui, c'est vraiment les banques, Apple et des grands dossiers consumer. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'aujourd'hui, Berkshire Hathaway est beaucoup plus qu'un titre qui porte des participations dans des titres cotés. 60% de la valeur de Berkshire Hathaway, c'est du non coté. Voilà. Donc on ne peut pas à la fois avoir de l'intérêt pour un retour à meilleure fortune de l'aéronautique, même si c'est dans un an, deux ans, et ne pas regarder Berkshire Hathaway, qui a fait la plus grosse acquisition de Berkshire Hathaway, ça a été Precision Castparts, hein, qui est un énorme équipementier aéronautique aux États-Unis. Et ça, pour capter un actif comme ça, il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir du Berkshire Hathaway. Donc il y a souvent un focus qui est fait sur les participations cotées. La valeur, clairement, dans Berkshire Hathaway, aujourd'hui, l'upside, il est dans le non-coté. Alors, pour finir là-dessus, Warren Buffett dit souvent, la plus grande création de valeur, elle se fera le jour où je casserai ma pipe. C'est clair que la cohérence de ce groupe ne tient que par Warren Buffett et son acolyte de 96 ans, Charlie Munger. C'est assez difficile d'imaginer que le groupe ne soit pas démantelé si ces deux-là, qui sont indestructibles, ils nous survivront tous peut-être, mais s'ils ne sont pas là pour donner une cohérence à cet ensemble. Donc, il est clair que si Berkshire Hathaway venait à être démantelé, on pourrait facilement justifier que en sum of the parts, ça vaut largement deux fois ce que ça vaut aujourd'hui en bourse. Voilà, donc c'est un titre qui a un bon mix de sécurité, de value et de décote instantanée contre S&P 500, très impressionnante. Voilà. Merci Bruno. Donc Bruno, qui, comme vous l'entendez, est passionné par Berkshire Hathaway, c'est un regroupement d'entités absolument fascinant. On a deux questions à traiter encore. En 2 minutes chrono, une question qui a trait en fait à la gestion et à la dynamique de portefeuille. Un de nos participants souhaitait savoir si, et c'est plus particulièrement dans Finaltis Titan, mais il y a peut-être quelque chose à dire côté Digital Leader aussi, s'il y avait eu des ventes qui avaient été pratiquées dans le portefeuille sur des moins-values très significatives ou notoires. Bruno, en une phrase, tu as le droit à deux phrases. Ouais. Non. Non, on n'a pas eu à se couper dans cette crise sur aucun titre du portefeuille. C'est un peu la philosophie, c'est avoir une main très solide sur des titres qui méritent qu'on ait une main solide. Voilà, donc on n'a pas eu à se couper même au plus fort du. Voilà, donc ce qui est très important pour nous, et la question est très très pertinente, parce qu'effectivement, une crise comme ça, c'est une validation, et si on cite Warren Buffett, qui parfois aime bien les images très très claires, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui ont un caleçon, n'ont pas de caleçon, enfin les variantes de cette citation existent. Et en l'occurrence, une crise, c'est le test, une crise de cette ampleur, c'est le test absolu. Et si dans Titan, on était amené à se couper sur des valeurs d'extrême qualité comme celles qu'on sélectionne, on est sur une sélectivité absolue sur Titan, ça ne serait pas forcément une remise en cause totale du concept, mais en tout cas, ça serait extrêmement inquiétant pour son économie dans l'ensemble. Ça n'a pas été le cas. Sur Digital Leader, Afid, tu confirmes que c'est la même chose en fait. Oui, effectivement, pour Digital Leaders, on n'a pas eu à faire ça. Voilà. Et une dernière question qui est assez simple, qui est d'un de nos participants qui demandait quelle était la répartition dans les deux fonds, et dans Titan particulièrement, mais dans Digital Leader aussi, de la répartition géographique entre les États-Unis et l'Europe, et l'éventuelle évolution qu'il a connue au cours du mois passé. Alors, dans Titan, on a fait baisser la part des États-Unis. En fait, structurellement, les marchés US ont une prime, hein, très importante de valorisation sur les marchés européens, qui est totalement justifiée à mon avis, mais ça sera un débat trop long pour en parler aujourd'hui. Mais là, cette prime était particulièrement tendue et on
C'est ce qui se passe d'ailleurs sur ces derniers jours. Il y a un retour de l'Europe contre les États-Unis. Alors, il faut bien avoir en tête que l'Europe et l'Eurosol 2000, qui sont les 2000 sociétés, 2000 sociétés aux États-Unis qui ne comprennent pas le S&P 500, disons, font exactement le même parcours que les valeurs européennes. Et le Russell 2000 fait à peu près 4 ou 5 fois la perte du Nasdaq sur la semaine. Donc voilà, à court terme, les small caps américaines nous paraissent sous-évaluées par rapport aux larges et les marchés européens nous apparaissent un peu sous-évalués aussi par rapport aux marchés américains qui sont malgré tout d'une qualité, d'une visibilité bien supérieure. Oui, tout à fait. Bon, un point particulier sur le digital, on a tous en tête qu'effectivement le digital et l'internet dans le monde, c'est une affaire. Alors on peut s'en plaindre, mais une affaire essentiellement américano-chinoise. On est une des rares équipes de gestion à avoir quand même, bien qu'investissant quand même plutôt sur les grandes valeurs, donc sur des valeurs cotées, une part substantielle sur les titres non américains. Et notamment européens. Voilà. Donc, mais les proportions n'ont pas tellement varié, effectivement, au cours du mois. Je vous propose, nous avons d'en terminer, nous avons très légèrement dépassé l'horaire que nous étions fixé. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, vous voyez sur vos écrans, vous voyez nos emails et vous les connaissez d'ores et déjà, n'hésitez pas à nous contacter par email, à nous contacter par téléphone, à nous contacter par nos LinkedIn. Il me reste à remercier Afid, Bruno et Xavier pour leur intervention cet après-midi et à vous remercier tous pour votre participation. Nous avons respecté l'horaire nécessaire pour qu'on puisse tous passionnément se retourner vers notre Premier ministre pour écouter ce qu'il a qualifié de phase 2 du déconfinement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. À bientôt, merci à tous.